j'espère quand même qu'on pourra retourner à la danse d'ici là. On croise les doigts. Mais en vrai, j'y crois pas. Bonjour. Du coup, oh là là, mes placards, ils sont tout dégueux. Bienvenue dans un nouveau vlog de la semaine. C'est la deuxième semaine de confinement. On est dimanche 8 novembre et du coup j'ai absolument pas vlogué aujourd'hui, donc je vais te faire un petit résumé de ma journée. Il est 17h. Donc je me suis levée tard car hier j'étais en visio avec mes potes pour l'anniversaire d'un ami. Donc c'était chouette, je me suis couchée pas trop tard, mais plus tard que d'habitude, car je suis une grand-mère, bref. Et ouais, c'était bien. Du coup, ce matin, je me suis levée tard, sans réveil et tout et tout. Et puis, j'ai rangé mon bureau. Donc, c'est cool. J'ai fait, j'ai tout trié, mes affaires du bullet journal et tout. Donc, c'était bien. J'ai tendu ma machine, tout ça. Et puis, je voulais te filmer, mais je pense que je vais pas filmer. Je vais filmer que le résultat des macarons que je vais faire pour mon anniversaire à la pharmacie, que j'amènerai à la pharmacie. J'espère que je vais les réussir, en tout cas. Et sinon, bah là, j'ai passé 2h30 au téléphone avec une pote pour faire les TP de Galles, le collodion et tout, enfin voilà. Et c'est cool parce que du coup, bah, on a quand même pas mal avancé, donc voilà. Niveau moral, ben du coup ça va. Ah oui, ce que j'ai beaucoup fait aussi dans la journée, c'est que j'ai monté beaucoup le vlog de la semaine dernière qui dure énormément longtemps, je suis désolée, mais voilà. Donc là, niveau moral, ça va. En vrai, ça m'a bien remonté parce qu'on a bien bossé, donc c'est cool. Et puis là, je sais que je vais faire les macarons, donc je suis contente. Voilà pour aujourd'hui. J'ai fait des macarons pour mon anniversaire, pour la pharmacie. Salut, on est le 10 novembre. Demain c'est mon anniversaire. Il est tard, il est bientôt 15h et en fait aujourd'hui je voulais travailler, ranger mon appart et aller en course pour préparer mon anniversaire demain et puis me faire des trucs bons à manger et tout, puis genre profiter. Et du coup, j'avais la flemme, donc j'ai juste bossé un petit peu. J'ai fait mes travaux de groupe parce qu'on a énormément de travaux de groupe à faire. Et puis, j'ai pas ni rangé mon appart ni fait mon sport et j'ai pas travaillé sur les cours que j'ai à apprendre. Enfin, si j'ai stabiloté quelques cours, quoi, mais c'est la galère. Et du coup, là, je pense que je vais ranger l'appart, faire le sport et tout. Et puis à 18h, j'irai faire des courses parce qu'en fait, je sais pas du tout ce que je vais manger demain. Donc voilà, je sais pas si genre je me fais un tiramisu ou tu vois, des trucs comme ça. Et après, je voudrais me faire un masque pour les cheveux. Enfin, voilà. En même temps, je grignote un peu parce que vive le grignotage. Donc, juste pour te dire, j'ai fait du sport, je suis allée en course, c'était trop bien, j'ai acheté beaucoup de fruits. Et des trucs pour demain parce que du coup je veux me faire une bonne journée demain, ça va être trop bien. Je pense que je vais faire un vlog à part de mon anniversaire, ça va être cool. Tu sais comme Juliette Jam en mode je fête mon anniversaire toute seule et c'est cool.
Et là, j'ai mangé mon repas alors qu'il est 6h du soir, mais c'est parce que je vais tout ranger mon appart après, donc tu vois, fallait que je prenne des forces. Et j'ai mangé devant tartine de vie avec pomme Camélia Jordana et pilote Camille, je sais pas quoi là, je sais pas comment il s'appelle. Bref, je me fends la gueule. On se fend la gueule, les gars. C'était trop bien. Enfin, c'est trop bien parce que j'ai encore pas fini, je dois être à la moitié du truc. Alors que, genre, la créativité, le premier, limite, on se faisait chier parce que. Il n'y avait pas autant d'ambiance, mais là c'est trop bien. Les d'avoine, c'est le feu. J'adore. Bref, bon, moi je vais ranger et puis je te reprends après. La bise. Là, j'ai changé mon bureau de place il y a à peu près 2 jours et je vais le remettre à sa place initiale. Voilà. Je vais mettre ça là et ça là, comme ça je le mettrai au fond. Voilà. Ouais, je vais faire ça. Hein. Parce que sinon j'ai une autre solution, c'est de prendre ma table de nuit là, ma demi-étagère table de nuit, je la mets là. Et puis ça je le prends comme étagère table de nuit. Et ça je le mets à la place de ça, pour mes cadeaux et tout. Vas-y. Non, on va rester là-dessus parce que je pense que ça sera le plus simple. On est toujours le 10, prête pour. La journée de demain, enfin j'ai pas fait les sols, mais c'est pas grave, je les ferai demain. Juste, je voulais faire un petit récit, un petit je sais pas quoi, pour te dire que là ça va trop bien, genre je vais super bien, je suis contente. J'ai fini la tartine de vie avec Pomme, Camélia Jordana et puis l'autre là, Camille je sais pas quoi. Et c'était trop cool, genre ils sont trop trop cool, donc ça m'a mis en joie, voilà. Et puis bref, je voulais dire, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je suis trop contente, je suis heureuse comme je suis, j'arrive un petit peu à profiter du présent et tout, c'est cool. J'avais un peu peur d'être déprimée pour mon anniv, tu sais, le fait de le passer toute seule et tout, mais je pense que ça va le faire. Là, je vais me mettre tranquille au lit. Et puis, je vais profiter de ma soirée tranquille. Je suis même pas fatiguée alors qu'il est 10h. D'habitude, là, je suis crevée. Mais bref. Bon, je te fais des bisous. Et puis, à après-demain, du coup. Parce que demain, ce sera un vlog tout seul. Genre, mon anniversaire, ce sera un vlog. Point. Il sera pas dans ce vlog-là. Enfin, bref. T'as compris. Salut. Regarde, on est dans les nuages. J'ai 23 ans aujourd'hui. Oh, bon anniversaire à moi-même. Je me suis couchée tellement tard que je suis éclatée ce matin. Oh. Bon. Je vais me préparer et on se reprend après dans la salle de bain, ça te dit ? C'est trop cool. Oh, j'aime trop mon anniversaire. As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. Comme ça,
le soleil, on vient pas pour mon anniversaire et le lendemain, on est là. D'accord. Ok. Ça marche. Je suis vraiment nulle, les gars. Là, je viens de filmer sur cette carte-là. Enfin bref, une des deux-là. Et en fait, il n'y avait pas assez de mémoire. Du coup, je vais pour supprimer des vidéos qu'il y avait dans la carte SD. Sauf que comme une teubée, je me suis dit c'est des vidéos du 10 novembre. Du coup, tranquille, vu que je suis en train de faire le vlog du 11 novembre. Et bah, c'est-à-dire que j'ai déjà sorti celui du 10. Mais absolument pas, parce que c'est celui que tu es en train de regarder là. Du coup, j'ai supprimé 3 vidéo alors que j'étais censée les mettre dans le vlog. Bon bah tant pis. Donc aujourd'hui on est le 13 parce que hier j'ai pas filmé parce que c'était pas très intéressant, j'étais fatiguée et puis j'ai rien fait de spécial mis à part la danse à 18h45 là sur Zoom. C'était super chouette, on a appris 2 nouveaux pas, c'était trop bien. Et sinon ouais, j'ai rien fait de spécial. Et aujourd'hui, bah écoute, c'était cool. J'ai d'abord fait du ménage. Et puis, surtout, j'ai mon attestation parce que je suis allée à la formation du test antigénique nasopharyngé pour pouvoir faire le petit goupillon dans le pif là. Donc c'est trop cool, même si je pense qu'à la formation, on va pas le faire. C'est cool quand même. Je me suis fait prélever 2 fois, les gars. Et puis j'ai prélevé 2 fois aussi, donc c'est trop bien. C'est en vrai, heureusement que ma pote elle a demandé à le refaire, parce que comme ça, bah en vrai, on s'est un peu plus entraîné, donc c'est chouette. Voilà. Sinon, là, je suis en train de télécharger des musiques pour le vlog de mon anniversaire. Je suis en train de le monter. Ah oui, j'ai beaucoup fait de montage hier sur le vlog parce que c'était n'importe quoi, j'en avais dans l'appareil photo, j'en avais dans le téléphone, j'avais plus de place dans mon téléphone, enfin je sens que ce vlog il va me demander beaucoup de travail. Et puis aussi il fallait que je regarde encore des trucs pour la galénique, enfin bref c'était un bordel sans nom, alors qu'au final il n'y avait pas de problème, on a cherché des solutions à un truc où il n'y avait pas de problème à la base. Voilà, voilà, je te laisse avec la suite, bisous. Ça c'est trop bon. C'est des petits carrés au chocolat blond. Parce que moi, Eurofrance, quand j'avais regardé, ça me disait quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que...